Bonjour à tous. Oui, oui, vous rêvez pas, je suis bien de retour sur cette chaîne. Mais avant ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire avant de vous expliquer ce qui va se passer. Ben, là, ce matin, j'en profite, j'ai été marcher un petit peu. Je vais en profiter pour vous parler et pour vous montrer un petit peu mon environnement vraiment près de la maison où on peut aller se promener tranquillement, quoi. Ici, de ce côté, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire de la marche, de la course, du vélo, et il y a même des sentiers pour faire du buggy, etc. Moi, je me contente de marcher, c'est très bien déjà. Allez, bientôt ça monte plus, je pourrai vous parler, je serai moins essoufflée. Et voilà la plus belle vue. Les vignes, la mer en fond, purée, vous voyez que dalle là dans l'écran. C'est juste magnifique. Donc voilà avec mon téléphone, donc là on a les vignes. Là on a quelques lauriers, des arbres, blablabla. Et là-bas, voilà. Là vous avez tout le golfe de la rive sud de Portici. C'est un petit peu brumeux, on voit pas très bien aujourd'hui, mais disons que vous avez un petit aspect de ce que je peux voir juste à 5 minutes de marche de chez moi. J'adore ce coin ici. Vous avez un petit champ, non, je sais pas. Bref, avec une petite rivière. Là-bas, vous avez une autre plateforme avec plein de pierres. Et voilà, voilà ce que j'aime chez moi. Côté, voilà ce que ça donne, donc en contrebas le petit champ que je vous ai montré et sur la plateforme du haut, voilà les petites montagnes autour, enfin c'est des collines hein. Et la rivière qui passe là-bas, je sais pas si vous l'entendez. Bah voilà, je fais demi-tour, j'en ai marre, j'ai marché plus d'une demi-heure déjà, donc du coup le retour ça me fera une heure je pense. Bon, après, je me suis quand même arrêtée vachement pour prendre des petites photos de fleurs, patati, patata, bon, voilà, vous me connaissez. J'ai été absente sur cette chaîne, j'ai été absente sur l'autre chaîne, sur la chaîne du petit jardin de Bob. Franchement, j'allais pas bien, voilà, pendant pas mal de temps, j'allais pas bien. Et là, je commence un petit peu à remonter la pente. Et c'est le moral qui allait pas. Donc, quand le moral va pas, le corps va mal. Et forcément, quand on a une spondylarthrite ankylosante, bah, voilà, ça aggrave les choses. Donc, en septembre dernier, je m'étais bien reprise en main. C'était, j'avais commencé le yoga, j'allais chez le kiné, j'avais que des bonnes intentions, que ça. Et puis, par contre, dès janvier, ça a été la cata. Bref, je suis pas là pour épiloguer. Je suis là pour vous dire que vu que je commence à aller un petit peu mieux, ben j'ai envie de revenir sur les réseaux. Donc, ce que j'ai envie de faire, alors ce que j'ai envie et ce qui va se passer, c'est deux choses différentes quand même. Hein. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est fournir les deux comptes. Donc, YouTube et Instagram. Donc, ce que j'aimerais vraiment, c'est faire deux vidéos par semaine sur chaque chaîne YouTube. On est d'accord, c'est pas possible. Et faire des contenus Instagram tous les jours sur les deux comptes Instagram. C'est pas possible non plus. Bref. Oh mince, il y a des gens. Je peux pas parler s'il y a des gens. Qu'est-ce qu'elles font? Elles marchaient vite tout à l'heure. Ah non, c'est pas les mêmes, elles reviennent vers moi. Alors on attend qu'elles passent et après je vous reprends.
J'ai passé les dames, alors j'ai discuté avec elles, elles sont super gentilles, blabla, mais j'ai du mal à me filmer quand il y a des gens autour de moi. Bon, on s'en fout, ok. Par contre, je vous ai dit vite fait, en story sur mon Instagram du Petit Jardin de Bob, que j'avais arrêté de fumer, donc tout n'est pas perdu. Je n'ai pas fait que du n'importe quoi. Donc depuis le 4 janvier, je n'ai plus touché une cigarette. Voilà, voilà, j'ai arrêté de fumer. Par contre, j'ai toujours pas arrêté le coca. Mais bon, il faut bien... Et puis là, je suis en train de marcher aussi. C'est bien. Si j'arrive à marcher tous les matins, déjà, je pense que ça me motivera pour le reste. J'aimerais marcher tous les matins et faire 2 cours de yoga par semaine. Ça serait génial. Oh là là, ça serait génial. Bon. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je suis en train de marcher, j'ai arrêté de fumer et ça c'est génial. Donc il me reste mon fameux régime anti-inflammatoire que j'aimerais tant faire, mais ça va être compliqué parce que c'est à cause du coca mon problème. Mon problème c'est ça, et c'est que ben, comme j'aime pas trop bouffer, forcément j'aime pas cuisiner. Mais je peux peut-être y trouver goût. Un jour. Je pense qu'un jour j'y arriverai. Là, je suis juste pas prête, c'est tout. Il y avait encore quelqu'un. Alors, ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire, ça c'est sûr par contre, c'est que je vais vraiment séparer les comptes en fait. Donc les comptes Le Petit Jardin de Bob et les comptes Marie-Ange. Sur les comptes Le Petit Jardin de Bob, il y aura uniquement des plantes succulentes. Les plantes d'intérieur que je mets dehors, et quelques petites plantes d'intérieur. Mais je pense que ça sera tout. Je vais même pas parler de jardin et tout. Je vais garder le jardin pour moi. Je vais peut-être vous en parler vite fait sur Instagram, vite fait. Enfin, ça sera plus du tout le sujet de la chaîne. Je me suis tellement dispersée que je les ai abandonnés. Et franchement, c'est ma première passion. Donc, non. Donc, Le Petit Jardin de Bob sera les plantes succulentes en premier. Et le reste après. Ce que j'aimerais sur cette chaîne-là, justement, c'est de sortir un succulent care tous les samedis. Et pourquoi pas un tuto les mercredis. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire. Et sur cette chaîne-là, j'aimerais tous les vendredis soirs ou samedi, enfin je sais pas encore les dates, vous sortir un petit vlog. Soit un petit vlog hebdo, soit un petit... Enfin, vlog hebdo, ça va être compliqué avec moi vu que je fais que parler, donc sinon ça va durer 1000 ans, donc ça va pas être possible. Donc un petit vlog avec quelques petits trucs intéressants sur plusieurs jours. Et une autre vidéo dans la semaine où ça serait des tutos, des vidéos explicatives. Par exemple, j'aimerais vous faire la vidéo comment j'ai arrêté de fumer, comment je l'ai vécu, etc. quoi. Et pourquoi pas vous faire des petits tutos déco, parce que ben, j'aime bien ça. En plus, je me suis mise au macramé, je fais plein de loisirs créatifs en ce moment. Donc tout ça, j'aimerais vraiment vous en parler sur cette chaîne-là, donc la chaîne de Marie-Ange. Et puis finalement, la déco de la maison qui n'est pas terminée. Enfin, voilà, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder et qui n'ont strictement rien à voir en fait avec l'autre chaîne. Donc c'est pour ça que je veux absolument séparer les deux, pour pas embrouiller tout le monde, voilà. Et surtout pour l'algorithme, parce que à force de mettre n'importe quoi sur le chaîne, bah du coup, pour les plantes succulentes, on me trouve plus. Donc j'ai dit que je vous parlerais en descente parce que j'allais être, pour plus être essoufflée, mais je suis quand même essoufflée. Voilà, donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je me suis pas encore trouvée. Voilà, j'ai pas encore trouvé mon équilibre sur le thème du lifestyle. Par contre, sur le thème plante, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut que je trouve mon équilibre, donc j'ai envie de parler de plein de sujets, mais je ne sais pas sur quoi je vais m'arrêter. Je vais rentrer à la maison tout doucement, j'y suis presque. Et puis vous verrez les vidéos quand elles sortiront. Là, pour cette semaine, on va dire que les deux comptes Instagram sont liés. Et à partir de la semaine prochaine, ils ne le sauront plus. Bien sûr, j'annoncerai certaines choses sur les deux comptes. Mais j'essaierai de faire les choses bien différentes pour que ceux qui me suivent sur les deux endroits ne soient pas blasés, quoi. Voilà. Je vais pas vous mettre la même chose sur un compte plus sur l'autre. Il n'y a pas d'intérêt, c'est pas le but. J'en parle un peu des deux pour le moment, pour que tous ceux qui sont intéressés viennent sur l'autre compte. Et si jamais, ben justement,
Les plantes succulentes ne vous intéressent pas, vous n'avez qu'à vous désabonner du compte Le Petit Jardin de Bob et vous abonner sur celui-là. Vous voulez, désabonnez-vous d'un compte ou de l'autre, il n'y a pas de problème, je ne vais pas me vexer, je comprends totalement. Moi, ça m'arrive tous les jours de me désabonner des comptes parce que ben, je me suis abonnée parce qu'à un moment donné, il me plaisait ou pour soutenir et tout. Mais finalement, il ne m'intéresse pas. Donc au bout d'un moment, ben, je me désabonne. Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est que de liker ce que vous aimez, de partager ce que vous aimez pour que justement l'algorithme sache que ce que je fais vous plaît. Et surtout, abonnez-vous et activez les petites cloches dans toutes les comptes, dans tous les comptes qui vous intéressent. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Ah oui, au fait, regardez bien en barre d'infos parce que y a plein de liens. Parce que j'ai déjà ouvert une petite boutique Etsy, elle n'est pas prête encore. Mais si vous voulez juste aller voir, vous pouvez. Sachant que pour l'instant, il n'y a que du macramé. Mais je vais aussi faire des petites boutures de plantes et d'autres créations déco, je pense. Et plus tard, j'ai d'autres projets. On verra, mais si vous voulez juste aller regarder, je ne vous demande pas d'acheter, attention. Juste aller regarder ce que je fais, ça me ferait plaisir. Voilà ma maison avec tout mon terrain vu d'en haut de la route. Comme j'aurais aimé avoir ce terrain-là. Oh là là. Mon Dieu, comme j'aurais aimé. Mais j'ai pas les moyens. Enfin, on n'a pas les moyens. Mais qui sait, peut-être que je vais gagner au loto un jour. Hein. Et voilà l'entrée de chez moi. Enfin, au niveau de la route, sachant qu'il va y avoir des travaux bientôt pour qu'on puisse mettre le portail. Et une fois qu'on aura le portail, je pourrai avoir un chien. Un chien, ça me ferait tellement de bien, voilà, au moral, au physique, tout. Voilà, si on a une maison, c'est juste parce que je veux un chien et un jardin et que monsieur voulait un garage. Oui, je sais, il faut que je nettoie. Je sais. Mais c'est l'automne, c'est normal. Regardez-moi ce coléus. Waouh, une merveille. Et j'en ai deux autres là. J'ai dit que je vous parlais plus de jardin. Allez. Donc du coup, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite sur une chaîne ou sur l'autre.